c'est un beau parcours, effectivement, parce que premier motif de satisfaction, le fait qu'ils étaient accompagnés toute l'année par Sophie Julien Lavilleroy et aussi par un pool de stagiaires très efficace de Sciences Po qui nous ont aidés sur cette fin d'année à préparer les élèves. On a eu des bons retours d'ailleurs de leurs interventions dans les classes pour justement entraîner les candidats au concours d'éloquence d'aujourd'hui et les aider à prendre confiance en eux et à réviser leur texte avant la dernière ligne droite. La justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. C'est dans ce genre de situation qu'un glaive est nécessaire, incarnant une répression à tout manquement à la justice. Sa certaine violence psychologique, voire physique, se légitime sous l'étendard de l'égalité de tous devant la loi, de la rigueur que chacun doit respecter vis-à-vis de l'institution de justice. Ensemble, écrivons l'histoire. Une histoire où notre caractère exceptionnel se confond avec la beauté de l'homme. Que notre génération soit connue non seulement pour les défis auxquels nous avons fait face, mais aussi pour comment nous les avons surmontés, avec audace, compassion et résilience. Vive notre génération exceptionnelle. Vive la beauté de l'homme. Et vive une génération pleine d'espoir et de promesses. On a pu apprendre plein de nouvelles choses, notamment dans notre manière de s'exprimer et même des informations sur Charles de Gaulle auxquelles j'étais pas au courant auparavant. Enfin, tout le monde n'a pas la chance de faire ça et voilà, c'est bien, on apprend des choses et on s'entraîne pour après aussi, on s'enrichit. Moi j'ai beaucoup aimé la diversité du parcours, c'est-à-dire qu'il y a 5 étapes et elles sont très complémentaires, ce qui permet d'accrocher des élèves très différents qui vont être soit séduit par la sortie, évidemment, qui est un peu le produit d'appel, mais pas que, justement. Le fait d'aller visiter les lieux chargés d'histoire, le fait de se pencher sur la pensée, sur la théorie, à travers les phrases clés, etc. Le fait d'écrire, l'oral, enfin, un mélange d'activités, de compétences, d'appétences qui sont sollicitées chez les élèves, qui fait que c'est un parcours qui peut intéresser d'une manière ou d'une autre à peu près tous les élèves. Et c'est ça, je crois, qui en fait la richesse. Je suis, pour ma part, membre du jury, de ce jury du concours d'éloquence. Vous me posez la question de la qualité de ce concours et je vous dirais que, d'abord, ce n'est pas vraiment la qualité du concours qui m'intéressait vraiment, mais le fait de rencontrer tous ces jeunes issus de lycées professionnels, de lycées d'enseignement général, qui se sont tous présentés là et que nous avons tous pu voir, tous plus volontaires, plus déterminés les uns que les autres, qui ont fait le choix de citations qui nous ont épatés. Certains ont fait le choix d'une citation identique d'ailleurs, qu'ils ont tous traitée de façon absolument différente. Certains ont montré des qualités d'argumentation exceptionnelles. Une jeune fille a montré des qualités d'oratrice exceptionnelles. Et tous ont montré des qualités de conviction exceptionnelles.